Les gars, on est coincés sur cette île Fortnite et on va avoir exactement 100 jours pour pouvoir s'échapper. Oh non, non, bah regarde, le soleil est en train de se coucher, ça commence déjà très très mal pour nous, Nemo. Ah oui, mais tu sais c'est quoi le problème? Ici, c'est pas que c'est un endroit lugubre, mais c'est surtout que je suis enfermé sur une île avec toi. Je n'ai clairement pas envie d'être enfermé avec toi à vie. Oh non, la première chose à faire, mec, c'est récupérer du bois et des matériaux. Wesh! Gros, gros, quoi? Problème. Gros, c'est super problématique, mais attends, mais à quel moment il y a des zombies qui spawnent jusqu'à chez nous? Ok, attends, moi je suis en train de créer notre petit pomponnable. Mec, il faut absolument qu'on trouve des moutons histoire de faire un lit. C'est moi ou tu viens déjà de tomber de l'île? Je pensais que j'avais assez de construction, mais pas du tout. Mais gros, il y a un problème problématique, il y a énormément d'ennemis sur... T'es où là? Je suis là. Gros, il va vous tuer. Ok, bon, c'est bon. Oh, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce que j'ai en main. Oh, tu viens tout juste de récupérer une arme, bien joué Nobo mec. Ok, donc là on est en train de passer notre premier jour et ça se passe très très mal comme vous pouvez le remarquer juste ici. Attention, on vient tout juste de découvrir une nouvelle île juste là, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a des crapauds. Mais gros, c'est quoi? C'est la frog, l'île des crapauds. Oh gros, regarde, ils ont... Oh, ils ont de la ficelle sur eux. Ah, c'est bien sympathique, c'est sûrement grâce à ça qu'on va pouvoir... Attends, j'ai envie de le... Oh, j'ai tombé. Mais quand tu l'as dit, c'est incroyable. Mais c'est sûrement grâce à ça qu'on va pouvoir se créer une canne à pêche et du coup pêcher les poissons, non? Oui, exactement. Par contre, Nobo, là, il faut absolument qu'on arrive à trouver un lit. Je rigole même pas, là. J'ai vraiment trop peur quand il fait trop sombre. Ouais, c'est clair. Mais attends, mais gros. Non, non, il va me tuer. Ok, alors, attends, possible. Lui. T'as une arme, gros. Utilise-la. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Par contre, j'ai pas des balles illimitées. Hein, donc, ok, ici, moi, j'ai clairement de quoi commencer un escalier. Oh, gros, regarde, là-bas, les poulets. Oui, il y a des poulets, c'est pas intéressant. Mais nous, ce qu'il nous faut, Nobo, c'est absolument un lit pour pouvoir dormir, là. Oui, effectivement. Mais gros, je vois des moutons absolument nulle part. Mais peut-être que le mouton se cacherait là-bas dans l'île à la tête de mort. Là, regarde, il y a une maison là-bas. Je sais pas si c'est une sorcière qu'on va y trouver, mais au moins, peut-être un lit, tu vois. Ok, attends, vas-y, du coup, j'ai essayé d'avancer vers là-bas. Oh non, il me faut encore de la construction, absolument. Oh, Nobo, regarde, le jour se... Oh mec, clairement ce premier jour fut très 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 complexe, hein, t'en penses? Oui, c'était... Oui, effectivement, le premier jour était vachement complexe, mais là moi j'ai un autre problème, c'est que mon ventre arrête pas de gargouiller et je commence à avoir très très faim. Oh mec, il faut absolument qu'on arrive à trouver de la nourriture. Mec, il y a des dinosaures qui sont juste là, mec. Attends, il faut absolument qu'on les tue. Eux, d'office, ils doivent donner de la bonne viande. Oh oui, j'ai carrément envie de manger de la viande de dinosaure. Ok, bon, t'as avancé un petit peu sur le petit pont. Ok, peut-être que là, on peut monter en l'air. Hop. Ouais, j'espère que t'as cette construction, mec. Gros, non. Il m'en manque un. Gros, non, t'as osé. Attends, j'ose pas. Attention. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de... Oh. Ok, c'est bon, je suis passé. Oh. Attention. Oh. Attends, il y a une sorcière, gros. Il y a une sorcière. Bonjour, madame la sorcière. Bonjour. Attends, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Alors, bonjour, Jean-Fils. J'ai une quête pour toi. Ok, la sorcière m'a parlé dans l'oreille et apparemment, on doit trouver des monstres de l'invasion, tout simplement. Et si on en tue deux, eh ben, on sera plutôt bien. Oh, d'accord, bah, c'est tout simplement les zombies. Et pour cela, il faut juste attendre qu'il fasse nuit. D'accord, bah, on reviendra ici quand il fera nuit. Mais attends, mais c'est pas possible de trouver un lit. Parce que là, comment on va faire en fait pour gérer la situation? Faut absolument qu'on arrive à trouver un lit. Et il faut absolument aussi qu'on arrive à trouver à manger. Parce que là, Nobo, on commence très mal cette aventure. Bah oui, mais gros, moi je pense qu'il reste 1% de nourriture dans mon ventre. Donc je risque de très simplement m'endormir si tu ne m'apportes pas vite à manger. Attends, je vais tenter de tuer un dinosaure juste ici. Est-ce que tu penses que je vais réussir ou pas? Non! Il fait trop mal, gros, il va être plus fort que toi. Non, attends, je vais arriver. Attends. Mec, vraiment, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir de la nourriture assez régulièrement. Et je propose qu'on aille du coup dans la farm à poulets pour qu'on ait des poulets à longueur de journée, hein. Ah ouais, effectivement, là-bas, il y a une ferme de poulets. C'est parti pour s'y diriger le plus rapidement possible. Gros, non, j'ai pas assez de construction. Oh là là, c'est pas vrai. Ouais, t'inquiète pas. Gros, attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les zombies viennent d'apparaître. Aide-moi à les tuer, gros. Ok, je suis ici, mec. Il y a un poulet, mec. Tu sais quoi? Je vais les récupérer. Ok, vas-y, je prends aussi mon poulet. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir faire en sorte qu'ils s'accouplent à deux pour avoir beaucoup plus de poulets? Alors, non, bah, ça se passe là avec le poulet, mec. Ouais, pas souci, gros. T'as juste à taper sur leur tête pour récupérer des gigots d'agneaux. Des gigots de poulet pour le coup. Tiens, je te donne mes poulets, moi je mange ceci. Attends, mais on les a tous tués? Non, on aurait dû les accoupler. Mais gros, mais ne t'inquiète pas, il reste des petits œufs qui vont éclore très bientôt. Donc regarde, ils vont éclore dans les secondes qui suivent. Attends, regarde, il y a des zombies là-bas. Est-ce que tu penses que je peux le tuer comme ça? Oh, je l'ai brûlé carrément, mec. Ok, attends, mec, voilà le premier. Oh non, mais gros, mais... Attends, vas-y, bon, je vais te sauver la vie parce que là, clairement, le zombie il a frappé beaucoup plus fort que toi, mec. Ah, let's go, le jour vient de se lever. What? Mais encore gros. Un zombie fier. Gros, quoi? Mais gros, mais il m'a donné une mandragore. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Attends, mais regarde. Oh, oh. Mais...
Oh, on va peut-être utiliser ça pour une quête ou je ne sais pas quoi. Allez, c'est parti, direction la mine. J'espère qu'on va réussir à trouver un lit, s'il te plaît. Oh, ça, c'est un lit, Nobo. Yes, c'est bon, j'ai trouvé un lit. Gros, trop bien, on va pouvoir dormir dans ce... Mais gros, t'es sûr que c'est un lit? Là, c'est surtout un chariot pour descendre dans les mines, hein. Ah, on peut récupérer du métal de cette façon en frappant ce chariot, mec. Oh, c'est génial. Oh, clairement, c'est trop bien. Mais attends, mais qu'est-ce que tu penses qu'il y a quand on descend dans la mine? Oh mec, oh y'a du charbon gros, y'a du charbon, ouais, ce qui nous permet d'avoir des briques. Oh là là, oh, c'est ouais, vraiment génial. Et on va aussi pouvoir faire des torches grâce au charbon qu'on récupère juste ici. Ça c'est vraiment bien pour la suite de notre aventure, hein. Mec, c'est sûr, on va réussir à survivre jusqu'à... Gros, t'as pas vu là? Regarde. Oh oui mec, c'est incroyable. Et du coup ça nous donne du quartz. Waouh. Ok, pas mal, on va pouvoir faire des magnifiques décorations au quartz sur notre base. Regarde par ici, un petit chemin. Mec, attends, j'ai peur, gros, elle ne tombe pas dans le vide, mec, sinon tu perds tout ton stuff. Oui, attends, ok, je suis passé. Oh, gros, viens voir ce qu'il y a ici. Oh, de l'émeraude, mec. Mais oui, mais mec, riche. Mais mec, je sais pas si tu te souviens, il fallait... Ah non, c'est pas ça, j'ai cru que c'était l'émeraude qui permettait d'ouvrir le... Ah si, regarde, c'est... il faut 20 émeraudes pour ouvrir le coffre de la sorcière. Ah ouais? Oui, mais je t'assure, du coup, il faut farmer en tout 20 émeraudes à 2 et on pourra ouvrir le coffre de la sorcière. Et t'as combien d'émeraudes pour le moment là? Parce que moi j'en ai 3 moi plus personnellement. Et c'est bon Nobo, on a nos 20 minerais d'émeraudes. Oh attends, mais c'est pas possible. Oh, il faut absolument pas que je tombe. Sinon on va tout perdre gros. Gros, c'est effectivement très compliqué pour remonter par ici. Oh, j'ai failli tomber vraiment là à l'instant. Ça va être très bien. Il y a le soleil. Mec, en plus il y a le coucher du soleil, mec. Oh non non, il va faire nuit, il y a les zombies qui vont apparaître, mec. J'ai vraiment trop peur, il faut absolument pas qu'on perde, il faut absolument qu'on arrive à trouver. Oh non. Oh non gros, vite, fonce en direction de la sorcière là-bas, les zombies n'osent pas approcher tellement ils ont peur d'elle. Et surtout de son écorchu, t'as oublié de préciser. Son écorchu, c'est plus un écorchu, Jean-Fils, qu'est-ce que tu racontes? Attention mec, on va pouvoir ouvrir son coffre fort, t'es là mec. Ouais, je suis là, allez. 3, 2, 1. Il se passe rien gros. Non. Mais gros, c'était le coffre de l'arnaque. En fait, c'est juste un coffre mangeur d'émeraudes et il mange nos émeraudes à chaque fois qu'on lui apporte. Ah, mais elle est sérieuse, la sorcière. Vas-y, je vais la frapper si elle continue là. Elle fait trop la maline, mec. Bah ouais, mais vraiment, elle commence à m'énerver. Bon, du coup, il va falloir trouver le moyen d'aller sur une autre île. Regarde, là-bas, l'île enneigée, elle t'intéresse pas plus personnellement? Oh mec, en fait, je sais pourquoi. Oh, attends, mais il faut gros, absolument pas. Attends, regarde. Mec, regarde, il y a une île extraterrestre juste ici, c'est sûr, c'est là-bas qu'on va obtenir ce que la sorcière a besoin, mec. Ouais, mais attends, par contre, parce que... Ah oui, c'est bon, j'arrive... Oh, on a construit en même temps. Ok, mec, c'est sûr, mais attends, il y a peut-être des aliens là-bas au-dessus, donc ça peut peut-être être vraiment pas chouette, hein, ce qui se passe là-bas en haut. Oh, j'espère ne pas croiser d'aliens. Oh, si, il y en a. Ah. Oh, ils sont là, les trespasseurs, là, il faut que tu récupères. Et toi, t'as une arme, Nobo? Moi, absolument pas. Mais du coup, toi, occupe-toi des trépasseurs histoire de gagner la possibilité de rendre fière la sorcière. Allez, mec. T'inquiète pas, ok, vas-y, y en a un qui est mort. Allez, le deuxième. Ok, okay, le bien deuxième joué. Allez, quoi mon arme là? Échappe-moi le troisième. Ok, ah, attends. Gros, attends, ils ont lâché des trucs, je sais pas du tout okay, ce que c'est. Ok, c'est bon, je les ai éliminés. Ok, nice, j'ai récupéré. Ok, c'est bon, on a réussi à trouver les trespasseurs. Ok, coup, et regarde, et là, on peut taper pour avoir du métal et d'autres choses. Oh mais attends, mais cette map est vraiment géniale, merci Cathy. Attention la sorcière, nous sommes ici, attention, qu'as-tu à nous offrir? Bonjour Jean-Fils, j'ai une quête spéciale à te donner. Ah, bah non, ok, notre nouvelle quête mec, c'est d'aller récupérer du charbon, tu sais où est le charbon quand même? Oui bien sûr, elle est dans la mine, mais attends, mais elle est carrément en train de se foutre de nous à nous donner des épreuves sur épreuves. Moi j'ai envie surtout de m'échapper de cette île à la fin. Bon Jean-Fils, j'ai été miné très longtemps et du coup j'ai enfin les 100 charbons. Oh, bien joué, Nobo. Tiens, j'ai de la côtelette d'agneau pour toi, mec. Si ah, ouais, c'est vrai que ça me mettrait vraiment bien de la petite côtelette d'agneau. Mais gros, c'est de la côtelette de poulet. Oh, mais gros, t'étais pêché du poisson, mec. Mec, attends, regarde, y a une île avec un crâne qui fait extrêmement peur juste là-bas. Ça tente qu'on aille l'explorer, mec, ou pas? Ouais, c'est ça. On ramène du coup les charbons à la sorcière et après on part du coup l'explorer directement. Oh mec, je suis tellement chaud. Bah, demande une nouvelle quête à la sorcière. Moi, c'est parti. Je ne perds pas mon temps. Je vais directement vers l'île au crâne. Ok, mais la sorcière, du coup, elle veut qu'on trouve 5 brutes. 5 brutes? Oh non, non, pas ça, gros. Elles sont horribles, les brutes. Ok, bon, attends, elles peuvent peut-être se trouver sur cette île au crâne crânien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Oh non, mais franchement, j'ai extrêmement peur en me dirigeant vers cet endroit très lugubre. Et... Mec, non, c'est pas vrai. Regarde, il y a un portail qui mène vers le Nether, mec. Est-ce que ça te tente ou pas? Mais ça me tente pas du tout. C'est l'endroit le plus lugubre connu actuellement dans l'univers de Fortnite. Mais je t'invite à y rentrer en premier. Avant toute chose, Nobo, avant qu'on rentre dans ce portail, il faut mettre combien de pouces bleus en dessous de cette vidéo?
pour que je rentre dans le portail du Nether, c'est bien plus important que n'importe quoi, donc je veux un minimum de 100 000 pouces bleus sous cette vidéo. 100 000 pouces bleus, je compte sur vous. 3, 2, 1, et n'oubliez pas de vous abonner aussi, les gars, c'est parti. Oh, oh non, pas le Nether, gros, j'ai surtout pas de munitions, en fait, c'est ce qu'on va faire. Mais moi aussi, j'ai surtout pas d'armes, et par contre, qu'est-ce qu'il fait rouge? Ah, j'en fais, ici, je suis descendu dans le crâne et j'ai pu apercevoir qu'il y avait une descente faite exprès. What? Attends, mais qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur de ce crâne, mec? C'est vraiment horrible, mec, j'ai trop peur. Oh, du rubis! Oh oui, oh, let's go! Oh, trop bien, on va pouvoir être riche quand on va rentrer à la maison! Oh, mec, c'est vraiment génial, mec, on va devenir des millionnaires sur Fortnite. Je sens qu'on va faire beaucoup de jaloux, Nobo. Gros, par contre, je suis en train de mourir de chaud, là! Oh, il fait très très chaud, mec. Il faut absolument qu'on sorte d'ici. Moi, ce que je te propose, mec, c'est qu'on aille sur une île qu'on n'a pas encore été visitée. Par exemple, l'île là-bas, mec. C'est là-bas d'office qu'on va retrouver des brutes. T'en penses quoi? Ouais, mais je suis entièrement d'accord. En plus, moi, je me dis que c'est peut-être là-bas qu'il y aura la sortie de cette vilaine île, parce que j'ai vraiment envie de m'échapper de cette île fortnitienne. Ben viens, pourquoi tu me suis pas, mec? Mais gros, mais où est-ce que t'es? Mais tu vois une île là-bas? Ah oui, moi je la voyais pas, mais oui, mais je pensais que tu voulais aller à l'autre île, moi, attends. Attends, j'espère avoir assez de construction, si pas, il faut absolument que tu viennes m'aider, parce que là, je ne pense plus avoir assez de construction. Ne t'inquiète pas, j'ai actuellement 700 de construction. Oh non, non, les brutes sont là, mec, comment on va faire pour les éliminer? Mais le problème, c'est qu'on a pas d'armes ni de balles, donc on est un peu dans le cacatoès, hein. Ah, il est tombé. Attends, est-ce que... là, attends. Attends, est-ce qu'on arrive à mettre des coups de pioche? Oh oui! Gros, attends! Aïe, 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 aïe! Il t'a tué! Oh vas-y, mince! Gros, t'en as tué deux! T'en as tué deux! Vas-y, continue! Non. Allez! Occupe-toi sans! Allez! Allez, la troisième! Vas-y! Okay, parfait, parfait, toi, regarde! Hop! Non! Le quatrième! Oh, c'est bon, ils sont morts! Tu les as tués, mec, bien joué! Merci beaucoup, mais je pense qu'il faut encore en finir avec deux personnes, mais essaie de me sauver la vie avant toute chose! T'inquiète pas, je vais te réanimer, mec, c'est vraiment hardcore en fait de survivre sur un bloc sur Fortnite! Vas-y, attends, moi je mange un petit frétin histoire de me mettre bien! Gros, allez, mange beaucoup, le frétin! Allez, non, ok, attends! Allez! Gros, j'arrive absolument très vite pour tuer la dernière brutasse de la brutance challenge! Gros, pourquoi t'es en train de les faire tourner en rond comme les jeux zombies à l'époque sur Call of Duty? What the fuck? Attends, ok. Attends, je vais tirer dans son... Lui, ok, c'est bon! Ah, vite, cours! Ah! Attention, voilà madame la sorcière, on a réussi. Oh non, mais c'est pas possible, elle nous donne encore une quête. Moi je te propose quelque chose, Nobo. On arrête de faire plaisir à la sorcière parce que... Elle nous donne rien en échange, mec, on se fait arnaquer depuis tout à l'heure, mec. Ouais, mais gros, là, elle nous invite quand même à trouver les gardes Liobaz. Et du coup, Liobaz, c'est la seule île qu'on n'a pas encore été voir pour le moment. Donc, je propose qu'on y aille tout de même, hein. Aussi, je vais acheter des flèches, hein. Les flèches, c'est une chose très, très importante pour utiliser un arc. C'est bon, Novo, j'ai récupéré un arc. On est parti dans la dernière île. Et parfait, du coup, moi, j'ai récupéré un maximum de munitions. Et tu vas être content parce que je t'ai déjà créé le pont jusqu'à la prochaine île. Ah non, tu trolls, sérieux, mec, t'es vraiment sympa en fait. Ouais, effectivement, j'ai décidé de beaucoup travailler pendant ton absence. Et du coup, maintenant, on est vraiment bien et on peut aller à la nouvelle île bien tranquillement. Attends, d'abord, je mange la côtelette d'anneau juste ici. Ok, je suis bien, j'arrive. Alors, du coup, là, c'est la tour des... Du coup, là, ici, c'est l'île des gardes IO. Il faut qu'on tue des gardes IO. Attends, j'ai un arc. Normalement, l'arc, il va... On s'occupe du premier. Ok, bien joué. Ok, bien joué. Ok, le deuxième, attends, vas-y, je le finis. Ok, deuxième martanel. Oh, il a une carte, gros. Il a une carte. Mec, attends, ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir un coffre-fort, mec. Oui, bah oui, j'ai carrément vu un endroit tout à l'heure où on pouvait utiliser une carte. Oh, gros, il est là. Attends, vas-y, tu l'as, lui, tu l'as. Okay, c'est bon, martanel. C'est vraiment de la martanel, ce qui est en train de se passer. Alors, il est où le coffre-fort, mec? Attends, Luc, tu veux que je t'emmène directement au coffre-fort? Attends, on va d'abord regarder ici s'il n'y a pas quelque chose de caché tout en haut. Ouh. Ok, lui, le martanel aussi. Attends, hop, est-ce que quelque chose est caché par ici? Oh, on peut interagir? Attends, ils viennent de tuer un lama. Ils ont brûlé un lama. Oh non, gros, je sais pas, je suis en train d'utiliser une clé au-dessus, je sais pas à quoi ça sert, gros. Attends, laisse-moi arriver, mec. Hop, attention, je suis en train de... Ok, gros, viens voir. Attends, ça interagit. Et du coup, j'ai eu cette carte-là, regarde de ma main. Et du coup, ça permet d'ouvrir là-bas, c'est le crâne en feu, du coup, c'est la carte du crâne en feu. Oh, gros, ils ont l'air assez énervés qu'on a volé leur carte. Ok, Jean-Fils, du coup, ici, j'ai une carte et apparemment, elle ouvrirait une porte sur l'île des brutes. Oh non, je déteste l'île des brutes, mec, c'est absolument dangereux, ils s'y rendent, mec, t'es vraiment sûr? Gros, je suis vraiment sûr, il faut juste faire attention, parce que... Gros, occupe-toi. Gros, ok. C'est bon, ils sont morts. Ils sont morts, Tadel. Gros, ils sont morts, Tadel. Et gros, attends, je saute. Oh. Ok, ouais, c'est bon. Attends, mais gros, ils sont vraiment blindés. Il faut que j'utilise la carte. Ici, j'utilise la... Non, attends. Non,
je suis mort. Non, je vais péter un câble, gros. Bon, c'est bon, moi j'ai réussi à utiliser. Et il y a une faille ici, viens vite. C'est bon, mec, je suis là. Elle est où la faille, mec? Gros, vite. Regarde, elle est juste à l'ouverture qui est juste ici en dessous. Vas-y, viens avec moi. Vite, go. T'es où? Gros, là, regarde, elle est là. Vite, viens. Nobo, regarde, on vient de rentrer chez nous devant notre maison à 5 millions d'euros, mec. Oh, gros, ça fait super plaisir de se retrouver ici chez nous. Ça fait vraiment du bien. Je ne veux plus jamais me retrouver sur une île Fortnite, hein. Et voilà, les amis, on a réussi à s'échapper de cette île Fortnite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas votre like, votre commentaire et bien sûr, me suivre sur les réseaux sociaux. Personnellement, Chouki, je vous lâche. Je fais pas de bisous. On se voit à la prochaine. Tchou.